Je voulais intervenir pour ce qui se passe pour Antala. Alors, au début de cette situation-là, quand Axel avait envoyé un lion chez Aya ou Ayala, il y a eu un live le lendemain où je suis rentrée. Je n'étais pas abonnée à elle, mais elle m'a bloquée avant-hier quand je suis montée pour lui dire ses vérités quand elle insultait Antala. Elle m'a bloquée. Parce que je suis en passant. Quand elle parle mal des autres, je peux mettre un commentaire. Donc, du coup, elle m'a bloqué avant-hier quand je C'est pour défendais ça qu'elle Antala. fait. Voilà. Donc, du coup, à l'époque où c'était chaud pour Kim et Axel, elle a fait un live très tard dans la nuit. Elle se permet de dire, Axel doit se séparer de Tema et Antala. J'ai même commenté, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là, madame? Pourquoi quand je donne, elle doit détester. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé, maman. C'est elle qui a commencé. J'ai suivi ce live-là, ça fait 3 semaines, quand c'était chaud, chaud, chaud entre les enfants. Elle a dit, Axel doit se dissocier de Antala et de Tema parce qu'ils sont hypocrites, ils sont pas gentils. Parce que tout le temps, Tema et Antala partaient toujours pour causer un peu avec Kimi. Mais pourquoi vouloir séparer ces enfants? Et avant-hier, je tombe, bim, c'est là où elle est en train d'insulter Antala. Je passe de l'autre côté, c'était Antala qui est en pleurs. J'essaie de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est là où on dit que non, elle est en train d'insulter la maman d'Antala, elle insulte les organes, elle insulte ceci, elle insulte cela. Mais je pense que c'est pas normal. Comme a dit Monsieur Makoso hier, mais il faut aller signaler sa page. Antala était proche, très proche. Nous tous, on a vu comment les Makoso, Kim et sa tata ont fait monter Antala. Antala était bien sûr sur les réseaux, mais Antala n'était pas vraiment visible, visible. Mais Kim et sa tante ont rendu Antala visible. À un point où même quand Kim essayait de chanter la chanson d'Antala, on doit se dire la vérité, Axel n'était pas d'accord. Axel n'a jamais, on peut dire au fond, Axel, ce qu'il fait avec Antala, Axel n'aime pas Antala. Mais Axel essaie de montrer aux gens que je suis quelqu'un de bien, j'accepte Antala, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Je ne dis pas qu'il déteste Antala, mais il n'aime pas Antala comme tel. Mais il est obligé de faire un effort de l'apprécier, de l'accepter aussi. Et Antala est proche de Lolo Beauté. Et il s'est rendu compte, peut-être qu'il est allé s'abonner chez Aya Robert par enthousiasme, mais il s'est rendu compte au fait, si je suis maintenant visible, c'est à cause de Lolo Beauté et Kimi. Mais je ne peux pas rester ami à cette dame qui descend, ces personnes qui m'ont rendu visible, qui m'ont Oui, je suis soulevé sur d'accord. Internet pendant que les gens me rabaissaient, cette femme ne m'a jamais lâché. Elle m'a pris sur son épaule, elle m'a soulevé sur son dos. Antala à gauche, Antala à droite, Antala midi, Antala. Quand c'était chaud, chaud avec Axel et la chanson de Kimi. Mais Lolo a dit, toi aussi va sortir le son. C'est Lolo qui a poussé Antala à sortir le son qu'il a fait pour Kimi. Et Antala aussi a fait quelque chose. Aujourd'hui, on écoute, on sent que non, 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 la musique, elle est bonne. Soyons reconnaissants. Soyons simplement les gens qui savent dire oui, c'est bon, c'est Lolo. Mais je ne comprends pas la haine des gens envers les Makoso. Moi, je ne vois pas le mal que les Makoso sortent quand on les touche. Quand Lolo est dans son coin ou Makoso est dans son coin, il n'y a pas de problème. Mais quand tu leur touches ou tu touches leur point faible, ils sortent et ils viennent dire ce qu'ils ont dans le cœur par rapport à ce que toi tu as cherché. Et du coup, les gens oublient qui a commencé à les provoquer, mais les gens s'acharnent maintenant sur eux qui sont mauvais, qui sont ceci. Mais qui est parfait sur cette terre? Qui est parfait sur cette terre? Au point de dire, Antala, tu t'associes à ces personnes. Attends, tu verras quand il y aura le retournement. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi chercher à voir qu'il y ait le retournement? Allez-y dire à Aya Robert, africain au bout de ça, que j'ai dit, je répète, allez-y dire à Aya Robert, africain au bout de ça dit, il faut te lever, aller travailler. TikTok ne va pas payer sa retraite. Voilà. Aya Robert, peu importe l'âge, il faut aller travailler. TikTok ne va jamais payer ta retraite. Qu'on dit que voilà tout ce que tu as mis à travailler durant ta vie. Tu restes à la maison comme ça là, on te paye. Allez-y, dis ça à Aya Robert. Vous dites encore à Aya Robert.
Parce que c'est vous-même là, les gens qui sont dans les commentaires, vous partez la supporter. Vous êtes en train de veiller au milieu de la nuit jusqu'à 6 heures. Elle-même, elle gagne l'argent. Toi, tu es là en train de la suivre. Elle va te donner combien? 0 jusqu'à 6 heures. Parce que le jour où vous-même là, vous allez arrêter d'aller veiller avec elle. Elle va couper son live pour s'occuper de son enfant. Parce que vous-même là aussi, vous êtes là aussi. L'éducation de cet enfant-là, l'amour de cet enfant-là. Parce que si vous n'êtes pas dans les commentaires, avoir 1 million que la personne est dans le live, que vous êtes là, je vois seulement 8 personnes. Combien? Si elle voit qu'il n'y a personne, je vous dis, elle va aller s'occuper un peu de son fils. Ah, elle fait le live comme ça, là, mais il n'y a personne qui me suit. Je vous dis que l'enfant là va avoir la chaleur de sa mère. Donc nous tous là, on est victimes. Pas victimes. Nous tous là. Pas victimes, on peut même dire ça même comme un. Le français est dur, hein. Toi, tu fais live. C'est toi qui veux parler gros français. Et quand Yarobert va te ramasser le jour là, que vient parler français, le jour là arrive. Bon, bref. Voilà, complice. Nous tous là, on est complices. Si cet enfant-là ne reçoit pas l'amour, nous aussi, on est dedans. Je vous dis la vérité. Si l'enfant d'Aya Robert ne reçoit pas l'amour, nous aussi, on est dedans. Parce que vous êtes là. Aya Robert commence le live. Parfois même, c'est 20h ou 22h. Jusqu'à 6h ou 7h du matin. Vous êtes là connecté. On est dedans. Comment vous voulez que cet enfant reçoive l'amour? Comment vous voulez que cet enfant reçoive la chaleur de sa mère? Si vous êtes toujours là, elle vous dit, tapotez le live. Toi aussi, le doigt fait même. Parfois même, hein, quelqu'un dort. Et Robert, elle dit de tapoter le live. Tu dors même. Tu es en train de lutter contre le sommeil. Aya Robert parle. Aya Robert parle. Si vous arrêtez d'aller dans le live d'Aya Robert, vous allez voir que Aya Robert va faire les lives moins comme avant. Regardez là. Vous avez veillé avec elle toute la nuit. Tu sais très bien que 6 heures, tu dois te lever. Commencer peut-être à balayer la maison. Après, tu dois aller déposer vite l'enfant à l'école. Après, tu pars au boulot. Quand tu vas aller au boulot là, tu commences même à s'emmener comme ça là. Parce que quoi? Tu étais dans le live d'Aya Robert. Et en attendant à l'heure là, Aya Robert dort. Fouillez bien TikTok. Aya Robert, elle dort. Toi-même, le cerveau est en train de te brûler. Parce que quoi? Tu as veillé avec elle toute la nuit. Et elle dort. Toi, tu travailles. Tu luttes. Parce que si tu dors au boulot là, peut-être on va même te virer. Ou bien on va te faire les reproches. Mais tu luttes. Tu luttes pour quoi? Qu'est-ce que tu allais faire là-bas chez Aya Robert? Jusqu'à 6h, à 7h du matin. Elle dort. Regardez comment elle vous trompe. Regardez comment elle vous trompe. Ça, c'est la nuit d'Aya Robert. Fouillez TikTok. Aya Robert dort. Fouillez bien TikTok. Aya Robert, à l'heure, elle dort. Si vous voulez, même on se tape à Paris. Elle va venir faire le live. Vers 20h, entre 21h, 22h, jusqu'à l'aube. Arrêtez souvent d'aller là-bas. Si vraiment vous aimez ces jeunes-là aujourd'hui, là, qui ont du talent, il faut arrêter d'aller chez Aya Robert où elle dénigre la jeunesse. Où elle dénigre la jeunesse. Vous dites que non, vous aimez ces jeunes-là. Elle peut même crier ceux dans son live. Elle va voir comme ça là. Seulement 2 abonnés. Hein. 1 seul abonné. Ah, comme vous ne venez pas, je coupe le live. Elle va aller faire quoi? Elle va aller s'occuper de son enfant. Elle va aller serrer son enfant dans les bras parce que l'enfant a besoin de la chaleur de,